tu ouvres. Ouais, après, je sais pas si je peux rentrer en communication avec un génie, s'il est hostile, je sais pas. Non, mais on verra. Si on se barre pas, hein, c'est pas long. Voilà, allez. On va ouvrir avec la main de mage. Vous ouvrez? Ouais. Il y a, effectivement, un génie qui sort de là. Un Ifrit, exactement. Un Ifrit, c'est bon. Il apparaît, il fait... Ah! Bienvenue, messeigneurs. Merci. Tant pis. C'est ça que vous cherchez, non? Ouais. Oh, vous avez l'air intéressé. Je vous l'offre. À une condition. Qui veut faire un vœu? Vous, si vous voulez récupérer la clé. Est-ce qu'il faut pas... J'active le champ d'anti-magie, je lance le sort champ anti-magie autour de moi et je dis à tout le monde de l'attaquer. Ok, bien vrai. C'est-à-dire que nous, les attaques magiques, sont... Rappelle-moi ce que vous faites au aura sacré. De toute façon, cherchez pas les gars, cherchez pas, il n'y a aucun sort qui marche, il faut taper, c'est tout. De toute façon, le combat est lancé. Ok. Voilà, c'est parti. Faites-moi votre init. Oh, 20 notes. 20 notes. Putain, mais encore un échec critique. Je suis toujours déconné, 20 notes. Moi aussi, échec critique. 16. 16. Et t'as 2 20 notes et t'as 2 1 notes. Je suis deg. Jake, 20 notes. Non, c'est pas le moi, échec critique. Échec critique. Échec critique. Et Asmoff aussi, échec critique. Ouais. Est-ce que là, tu m'as fait 16. Non. 16, tu seras avant l'effet. Ok. Altom, tu commences et après, c'est Jay. Ok. J'utilise Fougue. D'accord. On fait pareil. Hein. Je fais mes attaques, mes 8 attaques et puis... Oui, vas-y. Ok. 12 plus 26. 26. Oui, touche. Ok. Première attaque. 25. 25 touches. 19. 19 touches. Bah ça passe. Parce que j'ai 5, à partir de 5 ça touche. Donc 14 ça passe. 14 ça passe. Mais 14 plus 14, 28 quoi. Ah oui, oui. Donc 2. 2 plus 14. Ça fait 16. Non, c'est pas ça. Je rejette mon dé alors, du coup. 19. Ouais, ça passe. C'est un critique. Ah oui, c'est un critique en plus 19. Ok, calculez les gars. Ouais. Et 11, ça passe. Donc en gros, bah, j'ai 8 attaques qui passent plus un critique. Donc ça fait 9 x 2, ça fait 18 dés à lancer. 18 dés 6, c'est ça? Ouais. Et après, ça. Tu feras 9 x 8. 72. Tu rajouteras 72. J'en joue 72? Après, ouais. Il va le one shot. Putain, c'est tout. Ah, dur. 57 plus 72. Putain, il y a plein. Oh, dedans. Chaque mais... attaque, il rajoute oui. Des dégâts. Là, c'était 100 la dernière fois. Là, il dépasse les 100. Bah, parce qu'en fait, lui a foutu une méga tarte dans sa gueule. En fait, okay. J'ai fait un... Jake. Pour un 9 attaque, lecteur, j'étais à 7. Moi, c'est à moi de taper, du coup. Ouais. Et après, ce sera à sol. Et je fais combien de 56 en tour avec les dés là? Avec les 8 dés? Ouais. C'est tout. 57. Il a eu plein de 1. 11 pour toucher. Non, touche pas. Non. Ah bon, toi? Espoir. Oui, enfin, mon tour, bien sûr. C'est bon. Tu t'agrippes à lui parce que si. Ah mais faut... Non, mais j'ai pas de force. 18. Force. 18. 18 plus 8, 26. Ouais. Donc j'ai 26, moi j'ai un Divine Strike, une fois par tour, quand pas. Je touche, je fais 2d8 pour un radiant dommage. Ah, quoi tu veux? Non, peut-être pas. C'est un coup divin. Peut-être le garder, mais là tu sais que tu peux... Ça rajoute 2d8 divin. Tu peux peut-être le casser au corps à ça. Ça fait quoi, t'as le truc, ça enlève toute la magie? Ouais, c'est les sorts et l'effet magique, c'est un effet magique. Ouais, c'est un effet magique. Et tu peux passer une magie, il a mis une zone en fait autour de lui. Oui, c'est pas compliqué. Allez, on tape. Allez. Mais tu peux taper là. Bon, bah, un D6 plus 2, hein. Voilà. 3. Ah, bah, non, mais moi je suis pas fait pour bastonner, hein. Je m'en fous, le prochain tour je l'achève. Alors, attends, non, j'ai peut-être fait plus de dommages quand même.
Plus un touché, plus un dégât. Donc, un dégât supplémentaire. Donc, 4 points de dégâts. Voilà. C'est fait. Je vais juste un truc, c'est... Non, c'est un sort, ça sert à rien. Il faut lui attaquer, de toute façon, il n'a pas trop le choix, il peut pas faire grand chose d'autre. C'est toi, c'est sous concentration ton truc ou pas? Oui, tout à fait. Okay, je fais un 14 plus 10 pour toucher du coup. 14 plus 10, bah tu touches. Ok. Et deuxième attaque. Ah non, 2 plus 10, ça doit pas toucher, je pense. 2 plus 10. Le 12. 12 ne touche pas. Ok, bon, une seule attaque qui touche. Ok. Du coup, bah, je te laisse te faire ton. Attends, je te dis combien de dégâts je te fais parce que ça va dépendre de dégâts que je te fais. 2d6 plus 6 plus 2d6. Regarde bien s'il n'y a pas des dégâts magiques là-dedans. Parce que s'il y a des dégâts de feu magique ou je sais pas quoi là, ça marche pas. Feu, c'est. Ah bah, c'est ça, c'est magique. C'est comme pour son truc d'un. C'est comme ah oui, son truc radiant. C'est comme pour son truc radiant. Si mon truc radiant marche pas, son truc de feu marche 2D6, pas. 2d6 plus 6 du coup, donc tu prends 7. 7 et 6, 13 points de dégâts. 13 points de dégâts, donc ton jet de sauvegarde de constitution, bah il est pas. Ça fait 10. Faut faire au-dessus de 10 pour rester à ton jet de sauvegarde de constitution. J'ai plus 10 en jet de sauvegarde de constitution, donc je fais 15, c'était 25. Ah oui, c'est bon. Donc je maintiens. Je maintiens. Dolter. Ah oui, c'est moi, pardon. Bah, du coup. Non, bah non, on a fait tous les deux un. Les chèvres, on met plus, non, c'est fin, juste fin de tour. On met plus, ça les. Ouais, les c'est trucs, Ok, ok. Bah, du coup, de toute façon. Je vais taper. Ouais. C'est toi qui t'as appelé que toi pour taper. 16. Ça touche pas. Bah, voilà. Bah, du coup, Asmos. Bah, c'est pas grave, on est au guerrier. Altop. Je vois qu'il se fougue. Ok, c'est parti. Est-ce que j'ai vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire du VD, vas-y, pour voir les dégâts, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, parce qu'en final, après, ça sera pas bien. Alors, 4, ça fait 18. 18, faut passer du 7. Donc c'est 3. Utilise pas fou pour l'instant. Parce que tu peux l'utiliser quand tu veux, y'a pas besoin de faire un observe. Après, je fais une sieste dans la lampe. Oui, mais fais d'abord tes 4 voilà. Attaques, on va voir si tu le fais directement. Donc, ok, une. Ça passe. Ça passe, 7, hein, donc ça fait beaucoup plus. 21. Hein. Et 2, et je rejette mon dé. Et voilà, et c'est 9, donc c'est bon. Dis-moi juste, ça fait combien de D6 ça 4. Bah, 4. 8, ça fait 8. 8 D6 plus. Plus 4 fois 8, 32. 30 62 points de dégâts. Plus 32. Et 62, c'est ça? Ouais. Dommage. Hein. Bah, ben voilà, ben. Tu peux utiliser Fougue. Bah oui, je voulais. Ou alors tu peux attendre que Jake essaie de l'acheter. Ouais, attends, bah, ils vont l'acheter derrière, en fait, il lui reste 6 points de vie. Bah. De toute façon, dans tous les cas, il faudra faire un repos pour récupérer ma Fougue. Dans tous les cas, je vais retourner à l'un pour faire un repos court. Bah, toi, vas-y, claque ta Fougue, t'as une version supplémentaire. Non, mais avec le mur qui s'effondre et tout, vaudra mieux que tu prennes le paladin plutôt que de faire un repos court. Hein. Tu t'y sous, du coup? Oui, non, je sais pas, bah, dites-moi. Il reste 6 PV. S'il reste 6 PV, oui, s'il lui reste 30 et qu'au final, après le tour encore. Bon, après, on a 2 PV. Deux, derrière. À nous deux, on va le tuer quand même. Laisse. Mais non, mais il attend qu'il y ait une attaque en fait. Et c'est ça, s'il hein. Brise la magie et puis qu'il a une action bonus qui lui permet de se téléporter ou quand il est genre, non, il faut l'acheter. Vas-y, utilise ta foule. Vas-y. Ça passe. Bah, ça passe, il est mort. Il est mort, hein, ouais, parce que t'as plus 7. Donc, Et donc, du coup, Alton s'acharne sur lui. Vous voyez, clairement, t'imagines, c'est un peu chiant du coup pour tout le monde parce que vous pouvez pas utiliser notre magie. Mais pour Alton, c'est régalade. Hein. Genre, il s'éclate, il dégomme le truc, il le défonce. Et bah, son petit arme malin, il se le fout droit dans le cul. Hein. Et vous récupérez la deuxième pièce. Et tu vois. Il y a marqué la deuxième pièce dessus. Il y a marqué la deuxième pièce dessus. Alors, Mokter, tu fais moins le malin sur ta magie. Hein. Je pense qu'il faudra que tu fasses venir le paladin parce que là, on sait que c'est la crypte du. Et pour la crypte, je vais faire venir le petit paladin. Je vais utiliser. Et que ça peut faire beaucoup de dégâts. Vous êtes face à cette crypte, donc vous avez ouvert le premier caveau. Et il y a une grosse plaque en adamantium pour entrer dans la crypte.
Mais avec la deuxième avec la, avec, avec la deuxième serre. En quoi t'as dit? En adamantium. En adamantium. Mais non. Peu importe, tu mets ta clé dedans, de toute façon, il faut ouvrir. Adamantium, c'est pas Marvel, hein. C'est pas Servas, c'est le diamant. En fait. Moi, par contre. C'est l'une des matières les plus résistantes, c'est du diamant. Ouais, ouais. Alors, moi, je détecte les créatures et objets invisibles. Et pareil, tous les objets qui se trouvent dans le planétaire, ouais, à 30 mètres. Mais moi, là, mon planétaire, il peut pas faire quelque chose, là. Mais je sais pas ce que vous cherchez à faire, on ouvre et puis on descend. Bah oui, bah, de toute façon. Donc est-ce que je détecte des créatures ou des objets invisibles à 36 mètres autour de moi? Moi j'ai détecté une magie. Donc je peux les voir du coup, je les vois vraiment. Tu les vois? Ouais, les objets et les créatures invisibles dans un rayon de 36 mètres. Ok. En fait tu vois que c'est une petite pièce et tu vois des centaines de fantômes. Ouais. Ah, du coup, donc ça c'est... Et tu vois un crabe qui a l'air de... Regardez vers le dessus comme ça. Je peux peut-être vous lancer Aura Sacrée avant de descendre. Ouais. Avant de dire ce que ça fait Aura Sacrée, s'il vous plaît. Avant de descendre, je me ferais bien protection contre le poison. Ah, balancez-vous toutes les protections, vous pouvez. Qui est pas protégé contre le poison? Qui est pas immunisé poison? Moi, je suis immunisé au poison. Je suis pas immunisé poison, moi. Moi, je vais faire. Donc, Aura Sacrée. La résistance, immunité, charme, maladie, frise. Donc une lumière divine émane de moi pour former une douce radiation dans un rayon de 9 mètres autour de moi. Les créatures de mon choix dans ce rayon au moment d'incanté émettent une lumière faible sur un rayon de 1m50 et bénéficient d'un avantage à tous les jets de sauvegarde. Les autres créatures ont un désavantage en jet d'attaque, c'est ça? Et ça dure combien de temps? Mais... Non. Tu veux? Ouais. Donc tu vas lancer au début du combat. De plus, lorsqu'un fielon ou un mort-vivant frappe une créature touchée par le sol avec une attaque au corps à corps, l'aura s'illumine d'une lumière vive et il doit rester un jet de sauvegarde. Ou être aveuglé. S'il vous plaît. Il faut attendre le début du combat pour lancer une minute. Donc, Max, je vous laisse 10 minutes, les gars, pour vous préparer. Les créatures mort-vivantes auront un désavantage à l'attaque contre devant toi. Devant caméra. Moi j'ai un avantage. Ça regarde Jaco. Elles ne peuvent ni t'effrayer, ni te charmer, ni te posséder. Si on veut se préparer ici. On peut regarder là-haut en même temps. De toute façon, non, ça va être vrai parce que c'est fermé. Non, c'est tout, c'est juste ça. Donc elles ont un désavantage sur l'attaque. Ouais, c'est ça. Tu fonces tout bourrin, tu claques déjà Timothée. Si on voit qu'il essaie de devenir invisible, tu lui mettras un châtiment révélateur. Ça pourrait être avant que ça dure une heure. Et en plus, l'avantage quand t'es paladin à niveau 20, c'est que quand t'as des sorts niveau assez élevé. Est-ce qu'il y a d'autres sorts? C'est maintenant, les gars. Moi, je pensais lui faire un bouclier de la foi aussi, mais c'est concentration, c'est là que je peux rien jeter d'autre. Bah, pas d'autres sorts de concentration. Pas d'autres sorts de concentration. Mais tu peux jeter d'autres sorts. Pas des sorts de concentration. Des attaques, tu mets du châtiment vivant. Okay. Et, non, parce que je comptais le jeter au rat. Je vais aller voir pour le paladin sur le châtiment divin. Au rat sacré. Combien il a de. De toute façon, c'est. Ouais, il a plus 2d8. Il a plus 2d8 sur. Contre les morts vivants. Et ensuite, c'est. Châtiment divin, attends, je vais voir. Il peut monter à 5. Il peut monter à 5. Il est à 5d8. Alors attends. Les dégâts supplémentaires que j'ai sont de 2d8 par emplacement de sort. Plus 1d8 supplémentaire pour chaque emplacement. Jusqu'à la somme de 6d8, voilà. Donc s'il utilise un sort de niveau, s'il claque un emplacement de niveau 5. Et c'est pas le sort hâte aussi, non? Il fait 6d8. Non, c'est un truc de paladin rangeur, ça. Alors je vous plains tout de suite, hein. J'ai pimpé assez rérac, hein. C'est pas juste une demi-liche. Ouais. Et à position. Vous aurez l'affiche, vous verrez l'affiche avec les points de vie de la demi-liche, mais on est bien, on est pas au dessus. Ok, ça marche. Et pourquoi? Parce qu'on est 5 niveau 1. D'accord, ok. Il faut du challenge. Okay. Parce que sinon, bah, si non, fait... ok, ça sert à complètement à tout, c'est pas marrant. C'est sûr. Autant qu'on meurt. Vous allez avoir un vrai combat. Vous allez avoir un vrai combat de boss. Oui, juste à position des mains, c'est pour moi ou pour tout le monde? Tu peux le faire sur tout le monde. Sur une fois. T'as 100 points de vie, tu peux. En gros, tu décides de combien de points de vie tu rends. Ah oui! Et c'est 100 maximum. Je peux dire, tiens, 50 au tour là, tiens, 10 là, 15 là, machin, et après je peux. Et quand t'arrives à 100 cumulé, c'est fini. Ok, d'accord. Mais c'est quand même pas trop mal. Alors. Et j'ai jamais joué.
Ah oui, c'est dommage. En fait, okay, tout au niveau 20 n'est pas trop mal. Ah bah oui, oui, oui. Bon, on va se faire carapuce. Je suis un tank. Bonjour. Nous, Greg. Tu veux bien prendre des cas. Et moi, je suis en train de me demander si vraiment la guerrier barbare, c'était presque pas mieux la face à la niche. Tu vois. Défoncément. C'est un mort vivant, le paladin. Là, le paladin, en fait, t'es. C'est un mort vivant, hein, donc le paladin, franchement. T'es fait pour buter le mort vivant. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, Yann. Je suis plus fort. Pareil, les jets de sauvegarde. Ah, ouais, alors moi, je me lance. Je m'en sors bien dommage. Les jets de sauvegarde ne sont pas les mêmes exactement. Oh, c'est mignon. Hop. Sans armure 2, je sais mignon. Protection. Moi, je suis protégé contre le poison germe. Ok. Et on a discuté tout avec Eliane. Donc, messieurs, vous arrivez vraiment dans une crypte minuscule. Vous arrivez vraiment dans une crypte minuscule. Un petit coffre couvert de poussière trône contre le mur du fond. Dessus, aux alentours, vous distinguez une profusion d'objets. Près du bord repose un crâne humain avec des joyaux qui commencent à s'illuminer et à sourire. Vous sentez tout autour de vous des formes et comme si quelque chose vous touchait à chaque fois. Initiative. Ok. 12. 15. 12. 27. Alors. D'accord, qui c'est qui m'a fait au-dessus de 18? Non. Toi? Je fais une réussite critique. D'accord. Alors, on va faire. Tac, tac. Et on va se battre là, là? Ah, ouais, vous allez vous battre là. Tu vas avoir des avantages. J'ai le teaser de zone là qui va bien. Alors, c'est Elion Diaf, et derrière, mais fait, c'est qui ensuite? Moi, 17. 17 jets. 12 pour moi. 12. 15 ici. On gira là. 15 pour toi. Non. Et cela 12. Ouais, que j'irai là, on se joue à jouer. Hop, Elion Diaf, tu commences. Du coup, comme c'est un espace très réduit, j'ai des avantages pour tirer à l'arc. Non, tu peux te placer de façon. Non, c'est bon, ça le fait. Je suis désolé, vos personnages vont être un peu. Voilà, mais. Eh ben. Non, bah déjà, du coup, je lance ma marque du chasseur. Mmh. Ça dure une heure. Et tu m'as dit, ça me rajoute un des 6 à mes dégâts. Oui. Quelqu'un peut me passer les monstres du multivers, s'il vous plaît? C'est bon, il l'a là-bas. Tu peux l'avoir. Ok, donc tu fais ça, c'est ton action bonus. Ah, c'est une action bonus, ça? Oui. Bah, du coup, après, j'attaque. D'accord. Donc, du coup, j'ai deux attaques. 36. Pour toucher? Oui. Tu touches. 36. Je touche deux fois. Du coup, après, je fais un des 8. Le 8, c'est celui-là. C'est le D10 ça, c'est le D10. Non, c'est lequel le D8? Le D8 c'est deux pyramides. C'est ce, celui-là. Celui-là. Bon, dis-moi les dégâts que tu lui fais. Donc 17 la première attaque. 17 points de dégâts? Ouais. 17, ok. Puis 11. Et t'as pas un D6 à chaque fois? Plus mes deux D6. Plus 6. Ouais. Fin de ton tour. Fin de mon tour. Ok. Elle commence à ouvrir sa bouche et à hurler
Vous faites tous un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. 17. 17 ? Ouais. Enfin, attends, après constitution, j'ai plus 7, donc ça fait 24. 19 et 2, 21. 21. 17. Non, sauvegarde, t'as dit. Sauvegarde. 18, du coup. 18. Oui, 18 ans. 17. Ok. Vous sentez que, dans ce hurlement, elle a pas tout lâché. Vous sentez que les difficultés vont être de plus en plus difficiles. Mais ça, c'est pas accélérac. Comment ça, ça s'est passé? C'est accélérac, ça? Ouais, c'est accélérac, ça. D'accord. Au passage. Ok. Qui c'est qui a pas 24 de sœur? Qui c'est qui a pas 24? Moi. Moi. Moi, j'ai personne à 24. Personne à 24? Bah non. Vous prenez 7 dégâts tous ensemble. Chacun ou. 23 points de dégâts tous. 23 points de dégâts chacun. C'est des dégâts nécrotiques. Ok, 23. Ah, j'ai résistance. Donc 23 divisé par 2, ça fait. C'est des dégâts nécrotiques ou radiants? Nécrotiques. Nécrotique, donc je procure la moitié. C'est quoi 23 on a dit 23. Divisé par 2, ça fait 11 ou 12 11. 11, ok. Jack, c'est à toi de jouer. C'est moi, Jack. Ok, je vais lancer hâte sur le paladin. D'accord. Fin de ton tour ? Fin de mon tour. Action légendaire. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de constitution. Et en faisant ça Oui, c'est en magie. C'est un sort. Je peux faire un test d'arcane pour connaître le niveau du jet de sort ? Enfin, du sort ? C'est pas un sortilège qu'on utilise, c'est. Ah, donc non, mais c'est par magie quoi. C'est un pouvoir qu'il utilise par magie. 18. C'est ça. 18, t'as l'avantage, je peux lancer. 16. 16, c'est bon. J'ai le sauvegarde de modèle. Constitution. Ah non, j'ai pas commandé, pardon. Ça fait 18. J'ai pas commandé. J'ai un plus 2. 24, Julien. Moi, attends, bah. Il a un avantage sur ses jets si t'as des dégâts magiques, j'ai le sauvegarde. C'est pas des dégâts qu'il lance. Donc j'ai pas d'avantage là. Non, t'as pas d'avantage. T'as, ok, bah 18. Premier, 18, ça passe, ok. Et toi 15. 15. J'ai marqué plus 5 de bonus sur les aides, les sauvegardes, avantage contre les sorts et les effets magiques. C'est un effet magique, hein, par contre. Bon, bah, c'est... Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez de la poussière en fait qui tournoie dans la pièce. Ça limite, ça vous agresse les yeux, mais vous arrivez à continuer à voir. C'est à Zubru. Ok. Et donc je vais lancer une première attaque et je vais la faire en attaque téméraire. 17. Non, 17 plus 14, je pense que ça passe. Okay. 17 plus 14, oui, 17 plus 14. Oui. Deuxième, du coup, 18, ça passe aussi. 18 plus 14. 18. Non, ça fait 18. 18, non. Attaque. 10 plus 14, 24. 24, ça passe. Ok. Donc, je vais avoir deux attaques. 6 plus 2, 8. 8 plus. 32 points de dégâts. Ok. Et je me colle bien à lui. Pour pas qu'il me perde dans la poussière, dans quoi que ce soit. Je vais pouvoir continuer à lui mettre des mandales. J'irai là. Tais-toi. Je vais faire un châtiment divin. Ok, donc tu tapes avec un châtiment divin. Donc fais-moi ton attaque pour commencer. Et bah, je vais faire l'épée acérée. C'est 1 des 8 plus 5. Ouais, sachant que si tu fais un 20 avec l'épée acérée, tu coupes en deux. Ouais. 5. 5 plus. Plus. 5 plus 11, excuse-moi, 16. 16, ça passe. C'est très bien. Et là, c'est un 9. Le petit point vers le bas. Plus 11, hein. Va. Ça touche pile poil.
Une attaque de passé, t'es sous A, donc t'as deux autres attaques. Ouais. Okay. Il a deux attaques, hein, pas la main, je crois. Ouais, deux attaques, les palomères. Ok, donc tu refais deux attaques ensuite. Ensuite, ça passe. J'ai 18. Donc plus. Oui, oui. Voilà. Okay. Donc ça fasse au moins un minimum de. Et l'autre, 12, donc ça passe aussi. Ça fait passe aussi. Donc t'as 3 attaques qui passent. 3 attaques qui passent. Je lance les dégâts déjà de base. Ouais, 1d8 plus 5 à chaque fois. Donc ça fait 3d8 plus 15. 15. 3d8 plus 15 déjà. Et plus le châtiment divin. Tu les mets. Tu mets. Mais, c'est quoi tes sorts niveau 5 ? Ça passe en intéressant. Merci. C'est bien de boucler plein de choses. Donc sur 3 attaques, tu peux claquer 3 châtiments divins. D'accord. Châtiments divins, c'est quoi, je vais te bien. Ouais, tu peux lancer 2 niveaux en 5. Donc c'est quoi, c'est des 8. Donc ça fait quoi, ça fait 6 des 8, c'est ça? Je sais pas. Attends, action bonus, arme sacrée. L'arme cible brille, inflige 2 des 8 dégâts radiants supplémentaires et peut exploser sur un rayon de 9 mètres. Et ça, et ça dure 1 heure. Ok, bon, ce que je te suggère de faire, c'est ça. C'est action bonus, arme sacrée. Comme ça, t'as 2 des 8 en plus de dégâts radiants sur toutes tes attaques. Et tu vas faire 2 châtiments divins, un châtiment divin de niveau 5 et un châtiment divin de niveau 4. Donc ça veut dire que tu vas lancer 6d8 pour l'arme sacrée, 6d8 pour le châtiment divin de niveau 5 et 5d8. Donc si c'est 6, 12, 12 et 5, 17, 17d8. En plus. Plus 3d8 parce qu'il a le châtiment, il a le châtiment radiant amélioré, enfin divin amélioré, qui automatiquement met 1d8 supplémentaire par attaque. Donc 20d8. 21. Attends, j'ai dit 18 ou 17 avant? 17. Donc 28 avant. 28. Ok. Ah, la caméra, c'est 17. 77. Ok. Fin de ton tour, du coup, j'imagine. T'as bien mort. Bon bah tant pis, mais t'inquiète, je mettrai autre chose à la place. Ok, c'est bon, je passe au Noël, c'est bon. Voilà. Si, t'inquiète, ça se découvre. Juste, il n'y aura pas nos têtes. Oh mon père Latendre, seigneur de l'aube, je te supplie de punir cet être impie et de déchaîner ta puissance contre lui. Divine Strike. Et donc je n'ai pas de intervention divine et je ne fais même pas de jet puisque je suis niveau 20, donc ça marche automatiquement. D'accord. Donc en gros, ta divinité fait fait quelque chose. Elle a fait un truc pour nous aider. Oui, moi je lui ai demandé, après elle fait ce qu'il veut, parce que c'est un dieu, et dieux font ce qu'ils veulent. Écoute, je vais lancer un des vins potentiellement une autre. Et après, je peux me faire la dissipation du mal et du bien. Ben, si vous êtes charmé ou machin. Ah, ça peut. Oui, si, tu peux le garder, tu vois. Et t'inquiète, je vais aller aussi, moi. Tu vois que. Quand t'as des châtiments. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout autour. Tu sens qu'il y a énormément de fantômes qui disparaissent. Et ça tombe bien parce que le nombre de fantômes a en fait augmenté à chaque fois. Donc là, vous alliez vous taper 12 des 8 de dégâts de fantômes. Là, tu en as dégagé une partie. Donc vous ne tapez pas taper de dégâts de fantômes ce tour-ci. Ce tour-ci. Mais surtout qu'en fait, il a dégagé une bonne partie des fantômes. Donc en fait, en gros, les 100 fantômes qui étaient en train de tourner autour de vous. Là, vous n'allez pas prendre de dégâts, et en plus, le temps qu'il se recharge et tout, c'est tous les deux tours, vous prenez des dégâts qui augmentent. Et donc, il n'a rien fait pour être à lui. Il n'a rien fait, lui, il a tapé ses fantômes. Il n'arrive pas à le toucher, en tout cas. D'accord. Mais en tout cas, il a dégagé ses fantômes. Bon, bah, c'est bien, je nous ai évité 12d8 à tout le monde. Ah, oui, 12d8 pour commencer. Oui. Et il y en a. Voilà. Alors bah du coup on y va, je rattaque. Oh pardon, excuse-moi, c'est Malice, hein. Sans les gendarmes. Trotter. Je regarde. Faites-moi tous s'il vous plaît un jet de sauvegarde. C'est la sauce de la constitution encore.
Voilà, 27. 28. 18. 16. Qui c'est qui m'a fait moins de 20? 23. Moi. Moi. 24, 20. Moins de 20? Qui? 1, 2. C'est qui? 2. Alors vous prenez ça de dégâts? Je vois pas. 19. 19, 19. En fait, vous voyez que l'énergie... C'est des dégâts nécrotiques? Oui. La créature, en fait, se recharge. Et bien.